Bonjour, bonsoir, le monde entier, donc ça dépend de l'organe de cette vidéo ça. Moi c'est frère, moi c'est ami, adorateur Bertin d'Orville-Mort. Nous avons quelques temps que nous n'avons pas vraiment posté vidéo sous channel là. Nous profitons de dire merci à tous nos nouveaux et nouvelles abonnés nous. Donc vous faites un très bon choix. Donc nous ensemble sur channel ça pour nous capables parler de louange et de adoration. Nous avons gagné une série de conseils que nous avons commencé par prodiguer avec meneur de culture, avec adorateur, adoratrice. Donc je dis à nous voulons continuer avec série de conseils. Nous voulons rentrer directement dans le premier conseil que nous voulons partager avec aujourd'hui. Premier conseil que nous voulons partager avec vous dans cette vidéo, ça, donc nous avons conseiller ou même qui c'est un meneur de culte pour capable efforcer pour gagner une très bonne réputation. Une très bonne réputation est extrêmement important pour même qui c'est un meneur de culte. D'ailleurs, j'en ai toujours dit, le premier culte c'est notre vie. C'est offrir nous à Dieu comme un sacrifice. Jean apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12 verset 1. Ou t'es capable de mener un culte moun béni et puis même moun sa qui t'est béni dans un culte que bon Dieu t'est utilisé au Romain, la rencontrer dans une mauvaise posture, ça capable servir un blocage pour empêcher la prochaine fois que même moun sa t'est capable rencontrer ou mener un culte pour continuer béni. Donc c'est ça qui fait très important. Pour que vous ayez une très bonne réputation, pour que témoignage ou pas un sujet d'obstacle pour empêcher les gens adorer. Pour que témoignage ou pas un handicap pour empêcher que les gens qui viennent en culte pour adorer. Donc certes, ce n'est pas vous-même que les gens viennent adorer, mais témoignage ou capable un obstacle pour empêcher les gens qui sont capables d'adorer. C'est ça qui fait nous encourager ou même qui sont meneurs de culte. Qui camper devant un public ou par contre qui quantité yeux qui a regardé partout côté qui ont passé ou devez efforcer pour conserver pour afficher pour adopter pour gagner un comportement qui exemplaire je dirais un comportement chrétien. Deuxième conseil là que nous gagnons pour aujourd'hui, l'a aidé à mettre en application premier conseil là. Nous sommes capables de dire deux conseils ça yo. C'est un coup c'est une répétition que vous avez, mais nous avons préféré dire c'est en sorte de renforcement. D'accord? Deuxième conseil là, les renforcer ou bien les permettre la mise en application de premier conseil là. Deuxième conseil là, c'est pas jamais oublier que ou pas un adorateur. Le que au kembe micro seulement dans main ou pas yon adorateur le que au kembe micro seulement dans main. D'ailleurs l'adoration c'est toute une vie consacrée au Seigneur, c'est toute une vie consacrée au Seigneur, c'est ça l'adoration. Donc pas penser que le fait que au pas grand micro dans main, le fait que au pas grand public devant, donc ça fait de vous que au cesser d'être adorateur. Donc ou adorateur de manière permanente. Donc, vous devez toujours garder à l'esprit que ou pas un adorateur, ou pas une adoratrice, ou pas un meneur de culte, seulement leur camper devant public là, mais on sait un adorateur en permanence. Et leur connaît que on sait un adorateur en permanence, leur que on connaît qui sa adoration veut dire pour vous, leur que on connaît qui valeur, qui importance que bon Dieu lui-même lui gagne dans Géo. Donc ça aider pour que ou gagne un comportement qui exemplaire partout côté que ou passer. Donc ça est extrêmement important pour nous te porter pour aujourd'hui il y a deux petits conseils ça. Nous remercions infiniment chaque monde qui t'a porté attention yo qui t'a bâti temps pour regarder vidéo ça. Donc nous encourageons à partager li avec yon l'autre monde. Et si vous pouvez vous abonner avec channel là, nous invitons capable de faire ça et comme ça pour nous capable continuer faire route là ensemble. Moi c'est adorateur Bertin d'Orville-Mort, c'était un plaisir pour nous partager avec vous deux conseils ça yo
espérer que il va utile pour avancer dans le travail de Dieu. Bon Dieu bénis, à très bientôt pour une prochaine vidéo.